un troupeau reproductif avec les femelles, les petits. Vous voyez les petits là? Oui. Les petits, c'est un petit de 3 semaines. Ah, c'est déjà grand. Hein? C'est les saisons maintenant de les petits, les saisons que les femelles. Oui. Oui. Il est beau comme c'est toujours une fois dans l'année. Le petit arrive en novembre. Allez, on va la chance. Non, non, mais pardon. Hein. Moi, le petit est pendu en dessous. Voilà, regarde. Ah. Oh, ils sont combien? Il y en a. Le petit, là, c'est tout. C'est un mâle, oui. C'est le grand mâle. Mais il a beaucoup de différences. De bleus. Mais c'est pas nécessaire les disputes familiales comme ça. Hein? Pas la tortue lutte ça, hein. La tortue lutte c'est un peu plus gros. Lutz. Ouais. La tortue lutz. Lutz. Une grosse tortue. Une grosse tortue. Ah, oui. Il est encore plus grand que celui d'un chien. Beaucoup. Les, vous devez comprendre, les animaux, c'est ça, c'est bon pour vous, madame. Oui. Ah.
l'enfant, ce n'est pas encore un problème. Il a les autres problèmes, il est quand même heureux. Il a les autres opportunités pour nous. Hein. Aujourd'hui. Je cherche les... C'est un bébé. C'est un bébé. Non, il avait les grands sens d'humeur. Hein. Mm-hmm. Et là, sur le tronc d'arbre, c'est quoi ces poules? Parce que c'est ça, des madame. Perdrix. Oui, où, madame? Là, oui, c'est une perdrix, madame. C'est des perdrix. Ça va, madame, si heureusement, je dois faire le programme avec mon collègue aussi. Ils sont... Des pandas. Des pandas. Regardez, il y en a d'autres qui arrivent à droite. Ils vont traverser. Il y en a qui vont traverser là. Thank you.
Carmel, wow. Encore chance pour vous. Hein. Voilà, le petit là. Ah, il mange. Il veut boire. Il veut téter. Mais si je dois continuer. Oui. Tu comprends que c'est... Ça, c'est le petit mal. C'est le mal qui fait le programme. Madame, entrez dans les trucs pour moi. Entrez dans les trucs. Ça bon ça. Ça, c'est bon ça. Oh là là, mon... C'est bon ça, attends. C'est bon. Ah, c'est pas fait. Attends. Et il y en a un ici. Un second. Mon rien très grand là-bas. Ah, c'est bien. Vous voyez, voilà. C'est bon, hein? Ok. C'est les mâles adolescents qui commencent à faire les séparations de la femelle. Oui, ça va. Heureusement, les programmes continuent. Hein? Oui, oui, oui. On a déjà été bien gâtés. Les cherches, les opportunités maximales pour vous. Ah non, mais c'est bien. C'est magnifique. Madame, oui. Madame. Nisinera, numanira, florida, anera.
C'est le bébé de 3 semaines, 2-3 semaines. Ah oui, oui, oui. Peut-être oui. Ni sinera, numanida florida. Magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Comme ça, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Sur le film. Tu peux, c'est bon? Pardon, madame. Pardon, monsieur. Mais ça arrive, c'est parce que... Non.
Là-bas, j'ai l'impression que c'est une grande, hein. Une très grande dans les arbres là-bas. Comment ça se fait, voilà. Non, non. Non. On a traversé les yeux. Je l'ai fait ici. Juste parce qu'on va voir. Les autres sous les bus. Ah, il retourne. Il retourne. Il la voit. Ah. Oh, les oiseaux, vous voyez le panneau? Le panneau fait les combats de hippo. Il a le ballon entre les deux, il faut prendre. La poule, qu'est-ce que c'est ça? C'est la poule. La poule, qu'est-ce que c'est ça? La peau. La peau des hippos est très sensitive au le soleil. C'est la raison qu'ils mangent un peu, ils font tout. Ils mangent seulement dans le soir. Il marche peut-être 10 km. Oui. Dans la nuit. Dans la nuit. Et pourtant il reste gros. Il reste gros. C'est un peu agressif si je rencontre une hippopotame derrière à l'extérieur de l'eau, il fait le combat pour retourner à la position de la sécurité du l'eau. Je pensais que c'était plus joli.
j'aime. Ça aide. Et le passage aussi est joli. Oui. À la recherche. J'ai un petit peu à l'arrivée quand même. On voudrait bien faire une photo avec vous. Ah oui, on pourra. Toute la famille là. Voilà. Bon, regarde, il y en a une qui est en train. Ah, c'est le mâle chef ici. Non, une qui est en train de téter à ce moment. Là-bas, là-bas. Regarde. Ah, et le mâle est là-bas, il va être con. C'est pas trop les gamins qui portent ici. Tu vois, il y a des mâles qui courent. Ah oui, il y en a trois. Ah oui, c'est aussi avec des petits. C'est un petit facochette, 4 mois je crois. 4 mois. Tous ces animaux ne sont quand même pas gras. Le gras c'est de l'hyène. Hein? Il n'a pas bien sur eux. Là on les voit à travers. Mon Dieu, c'est pas petit. Ils sont énormes ceux-ci. Quand on prend deux, ça fait coup double. C'est seulement les femelles. Hey, c'est les femelles, les mâles avec les cornes spirales. Ah oui. Les mâles koudou sont les symboles de les parcs nationaux africains. C'est ça. C'est où? K. Au cas où. K en Afrique, c'est K. Thank you.